couvre-feu concerne donc désormais 54 départements et la Polynésie. Une mesure prise par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, un régime d'exception qu'il souhaite prolonger jusqu'au mois de février, mais cela doit passer par un vote de l'Assemblée nationale qui va siéger exceptionnellement ce week-end. Les débats doivent commencer dans moins d'une demi-heure et l'opposition compte bien en profiter pour exprimer son mécontentement, Claudia Bertram. Les députés vont enfin pouvoir donner leur avis alors qu'ils découvrent bien souvent les décisions du gouvernement en même temps que tous les Français. Ce que déplore la socialiste Georges-Paul Angevin. On devrait, nous, avoir quand même la primauté des annonces qui sont faites. On nous demande de venir entériner en définitive ce qui a été dit à la télé. Donc tout ça est une manière de fonctionner assez originale en matière de démocratie. Autre originalité qui interroge certains députés, la durée de l'état d'urgence sanitaire. 6 mois, en réalité, souligne le LR Philippe Gosselin. Même s'il y a la date du 16 février, c'est le 1er avril que l'état d'urgence complet est censé se terminer. Le gouvernement donne le sentiment de vouloir le plus possible se passer du Parlement. Et pas question de donner un blanc-seing à l'exécutif pour la députée insoumise Danielle Obono, car le texte permet aussi au gouvernement de légiférer par ordonnance dans plusieurs domaines. On nous demande l'autorisation de tout un tas d'ordonnances qui ne sont pas liées directement à la question purement sanitaire. Au-delà du mépris que ça exprime un peu pour le Parlement, on a un texte qui signifie des pouvoirs exorbitants à l'exécutif. Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de votes favorables dans l'opposition, mais la majorité n'en a pas besoin pour faire adopter le texte.